très bien. Sauf, bonjour. Est-ce qu'on prend un micro-ambulance? Non, je ne sais pas. Je le laisse. Ah, si jamais. On n'a pas besoin, parce que l'hémicycle, ce n'est pas facile, un atelier en hémicycle. Un bon courage. Et comme ça, ça marche ça... Un, deux. Bonjour. Ouais, je dis un truc, hein. Alors, on va vous inviter à vous installer pour ce qui reste à cet atelier numéro 1. Une petite ambiance de récré, mais vu qu'on a déjà grillé un quart d'heure... Alors, on me demande de faire de la publicité pour l'atelier numéro 2 qui était sur les friches. Néanmoins, vous êtes bien dans l'atelier qui est quand même le plus intéressant, donc je vous invite à rester. Mais néanmoins, si vous avez un intérêt pour les friches qu'on porte aussi à l'Adréal, n'hésitez pas à rejoindre cet atelier numéro 2. Merci. Ah, je vois que personne ne bouge, je vous félicite. Excusez-moi. Alors, c'est un atelier qui va être co-animé par plein de partenaires, notamment l'ORAVE, qui est à la manœuvre, hein, sur l'organisation de cet atelier depuis longtemps. Moi-même, je représente la DREAL PACA. Et puis, nous aurons bien entendu les interventions de la Région Sud, du CEREMA, de l'ODAT, et c'est tout. Alors... Je ne sais pas si vous voyez sur vos petits écrans, mais en fait, ça, c'est l'ordre du jour qu'on a prévu pour maintenant 40 minutes d'atelier. Non, on va d'abord vous parler des dispositifs d'observation de la loi climat et résilience. Notamment, on a toujours ce focus un peu sur la sobriété foncière, hein, qui est un peu la ligne rouge de cette journée. Et on parlera du coup aussi de l'accompagnement qui est proposé des collectivités à travers une feuille de route partenariale qu'on a construit ensemble. Ça, ce sera un peu les propos introductifs. Après, on rentrera vraiment dans les outils en vous présentant 3-4 outils qui sont développés justement pour vous aider dans les dispositifs de la loi climat et résilience. Et puis, on essaiera de garder un peu de temps, et on y tient, à un échange avec vous sur justement les besoins des territoires en matière d'observation territoriale, notamment sur les sujets qu'on aura abordés autour de la sobriété foncière. Je laisse la parole à l'ORAVE. La première partie. Bonjour à tous. Alors, avant de rentrer plus précisément sur les dispositifs d'observation, je vous propose qu'on refasse une petite introduction globale sur la loi climat et résilience et notamment sur les objectifs qu'elle amène en matière de consommation foncière, puisque jusqu'en 2021, on était vraiment sur une mesure de la consommation foncière au travers des SCOT, qui n'y avait pas d'objectif quantitatif comme on peut avoir aujourd'hui, jusqu'en 2031, donc cette fameuse division par deux de la consommation foncière.
Ce qu'a apporté aussi de nouveau la loi, c'est cette notion d'artificialisation, puisque jusqu'aujourd'hui, on était vraiment sur une mesure de la consommation, et aujourd'hui, on parle aussi de l'artificialisation pour aboutir donc en 2050, ce fameux zéro artificialisation net. Donc, qui dit nouvelle notion, dit forcément nouvelle définition. Donc, la loi propose une nouvelle définition qui va amener les types de surfaces en surfaces artificialisées ou non artificialisées. Vous les avez là à l'écran, les différents types donc, qui vous permettent de savoir finalement où est-ce que vous vous situez. Et on voit bien qu'elle amène de nombreuses interrogations, notamment sur ce fameux point 5 que vous pouvez voir sur votre écran, puisqu'elle ne protège finalement pas les sols de pleine terre, alors que c'est bien ce que amène la loi avec cette notion d'artificialisation. Elle amène aussi de nombreuses questions, notamment sur la considération de ces espaces, les divisions parcellaires dans les secteurs périphériques pavillonnaires qui pourraient être amenés avec tout simplement de mauvais objectifs en matière de densité, de qualité, mais aussi elle va rendre difficile finalement la bonne appréciation de la place occupée par les espaces naturels dans les espaces urbains qui sont d'ores et déjà existants. Donc une fois cette petite introduction et ces rappels de ces nouvelles notions, je vous propose qu'on rentre dans les dispositifs d'observation qui a amené la loi. Donc on en a trois, l'Observatoire de l'habitat et du foncier, l'inventaire des zones d'activité économique et le rapport triennal de l'artificialisation des sols. Donc si on débute par l'Observatoire de l'habitat et du foncier, il se décline donc en plusieurs objectifs. Il demande finalement d'aboutir à un état des lieux qui reprend en compte 6 indicateurs, comme notamment les locaux vacants, les friches ou encore le nombre de logements qu'on va construire chaque année. Et il intègre aussi cet inventaire des zones d'activité économique qu'on vous présentera juste après. La nouveauté aussi de cette loi, c'est que finalement, jusqu'à aujourd'hui, on avait des observatoires de suivi des PLH pour les EPCI qui sont pourvus de PLH. Et la loi amène à une fusion entre ces observatoires qui étaient d'ores et déjà existants avant la loi et ces nouveaux observatoires de l'habitat et du foncier. Donc finalement, d'ici 1 à 2 ans, on n'aura plus d'observatoires de suivi du PLH. On n'aura que ces observatoires de l'habitat et du foncier qui auront ce double rôle, à la fois de suivi des mesures de la loi et aussi de suivi des PLH. Donc à qui s'adresse cet observatoire de l'habitat et du foncier ? À tous les EPCI qui ont aujourd'hui un PLH. Les EPCI qui ne sont pas couverts peuvent, s'ils le souhaitent, analyser et avoir cet observatoire, mais en tout cas la loi ne les contraint pas. Cet observatoire, il doit être mis en place au plus tard 3 ans, à partir du moment que le PLH a été rendu exécutoire. Et le décret donc, qui est sorti très récemment, le 12 octobre 2022, rappelle bien le rôle fondamental des agences d'urbanisme, mais aussi des EPF, dans finalement la position de structure d'appui pour la réalisation de ces observatoires de l'habitat et du foncier. On va passer maintenant à l'inventaire des zones d'activité économique. Et je vais laisser la parole à ma collègue. Bonjour. Alors donc le deuxième dispositif du coup c'est l'inventaire des zones d'activité économique. Donc ce dispositif tout d'abord, ce qui est intéressant c'est de savoir qu'est-ce qu'une zone d'activité, qu'est-ce qu'on entend par cette notion-là. Donc une zone d'activité c'est une zone qui est soit industrielle, soit commerciale, soit tertiaire, soit artisanale, soit touristique, soit portuaire, soit aéroportuaire. Donc c'est mentionné dans le code de l'urbanisme. Et donc cet inventaire des zones d'activité concerne seulement les zones dont la création, l'entretien, l'aménagement et la gestion relèvent de la compétence d'une intercommunalité. Donc pourquoi la loi a-t-elle mis en place un tel dispositif ? Donc ça part du constat que les zones d'activité représentent une part importante des surfaces artificialisées et certaines de ces zones sont aujourd'hui assez vétustes et un peu moins attractives. Donc ainsi, la création de cet inventaire a eu pour but d'acquérir une meilleure connaissance de nos zones d'activité afin d'envisager leur traitement et leur requalification. Et on peut aussi également noter que l'inventaire peut déboucher sur une procédure d'expropriation, notamment dans le cas de locaux vétustes ou dégradés, dans les cas où il y ait un contrat de PPA ou, entre les acteurs, et les acteurs locaux et l'État, et ou également la mise en place d'une ORT sur la zone. Donc, que contient l'inventaire de ces zones d'activité ? Donc, tout d'abord, un état parcellaire des unités foncières qui composent la zone, donc qui devra également noter la surface de chaque unité foncière et l'identification de chaque propriétaire, l'identification des occupants de la zone et le taux de vacance de la zone d'activité qui est calculé selon la réglementation fiscale et notamment la CFE, la cotisation foncière des entreprises.
Donc l'État, l'EPCI pardon, devra consulter les propriétaires et les occupants de la zone d'activité pendant une période de 30 jours avant l'arrêt de l'inventaire et sera adressé aux autorités compétentes en matière de SCOT, de PLH ou de PLU. Donc cet inventaire s'adresse, on le voit, à tous les EPCI puisqu'il y a eu transfert de compétences du développement économique depuis la loi NOTRe. Il doit être fait, alors il devait être engagé avant le 21 août 2022 et il doit être finalisé dans un délai de 2 ans après la loi, c'est-à-dire avant août, 21 août 2023. Et il devra être actualisé tous les 6 ans. Et donc plusieurs sources de données peuvent être utilisées pour réaliser cet inventaire. Nous avons notamment les données du CIREN et les données des fichiers fonciers, mais également l'Observatoire Sud-Foncier Éco, dont on va vous parler un peu plus tard, qui dresse un premier état, un premier bilan de cet état des lieux des zones d'activité, mais qui doit être nécessairement complété par de l'expertise locale et de l'expertise terrain, hein, puisque tout ne se trouve pas malheureusement dans ces données accessibles en ligne. Et donc pour le dernier dispositif dont on vous parle aujourd'hui dans la loi, c'est le rapport triennal de l'artificialisation des sols, donc, ou alors, qui contient plusieurs indicateurs sur cette notion d'artificialisation ou de consommation. Donc tout d'abord la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est renseignée en nombre d'hectares et déclinée par type d'espace et également par pourcentage. Également le solde des surfaces artificialisées et des surfaces désartificialisées, en nombre d'hectares également. Et enfin, l'évaluation du respect des objectifs de lutte contre l'artificialisation des espaces NAF, qui est fixée dans les documents de planification. Ce rapport pourra se baser sur les données qui sont accessibles sur le portail de l'artificialisation des sols. Et si les données ne sont pas existantes, hein, si des données nécessaires ne sont pas existantes, le rapport pourra s'appuyer pendant les 10 prochaines années sur les documents d'urbanisme qui ont intégré les points 1 et les points 3. Ensuite, donc, à qui s'adresse ce rapport d'artificialisation ? Donc, à toutes les communes et aux collectivités qui sont dotées d'un PLU, d'un PLUI ou d'une carte communale. Il doit être établi au moins une fois tous les 3 ans. Donc, une fois que le rapport a été voté en conseil municipal, il est ensuite transmis à différents représentants, donc de l'État et de la région, du conseil régional de son président, du président des SCOT, président de l'EPCI ou des maires. Et je laisse la parole à Brigitte. Merci à Laura d'avoir su synthétiser un peu ces 3 dispositifs qui sont quand même écrits de façon assez complexe, mais qui là ressortent un peu pourquoi on fait ça, comment et pour qui. C'est un atelier donc, qui s'appelle « Quels outils au service des territoires pour mieux répondre aux enjeux de sobriété foncière ?» On ne pouvait pas ne pas parler de la feuille de route régionale qu'on a construite avec 14 partenaires dont vous voyez les logos à l'écran sur justement pour accompagner les territoires, pour concilier développement et sobriété foncière. Cette réflexion-là, elle ne date pas de la loi climat et résilience, elle a été justement initiée avant ça. Avant ça, on avait justement des débats sur le ZAN depuis le plan biodiversité de 2018, avec cet objectif qui apparaissait, mais qui n'était pas encore dans le code de l'urbanisme à l'époque. On avait un SRADET qui avait été approuvé en octobre 2019, qui fixait déjà un objectif assez ambitieux en termes de réduction foncière. On avait une convention citoyenne pour le climat qui était déjà en train de réfléchir à la future loi climat et résilience et qui remettait sur la table cette priorité donnée à cet objectif ZAN. Et puis, au cœur de nos discussions, on a eu aussi l'arrivée de la crise sanitaire en 2021 avec des réflexions sur nos modes de vie, sur les modes de développement territoriaux. À partir dans ce contexte-là, on a animé à l'ADREAL un dialogue sur une sorte de stratégie régionale en matière de gestion économe de l'espace. Au départ, c'était une demande de l'État. On demandait au préfet de région d'avoir une stratégie sur cette réduction de la consommation d'espace. Et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a décidé d'avoir une stratégie partenariale. Parce que finalement, on était beaucoup à se poser les mêmes questions, beaucoup à faire face à ces élus qui ne comprenaient pas cet objectif ZAN, et beaucoup à se dire qu'il faut qu'on agisse ensemble pour les aider, pour les accompagner.
Donc voilà, les questions qu'on entendait à l'époque, c'est un peu celles qui sont aussi ressorties ce matin, parfois, ces fameuses injonctions contradictoires. Vous voulez du ZAN, alors je ne peux plus faire les logements sociaux que vous me demandez, ou alors je suis une toute petite commune, si vous m'empêchez de me développer, je meurs, ou le renouvellement urbain, c'est trop cher, c'est trop complexe, on ne sait pas faire. Donc on entendait ça et on s'est dit qu'il faut absolument qu'on arrive à retourner cette situation-là de façon positive pour qu'on arrive ensemble à faire de la sobriété foncière un nouveau mode de développement territorial. C'était à peu près le titre qu'on a donné à une première plaquette de communication dès décembre 2020 avec l'ensemble de ses partenaires. On s'était mis d'accord sur le message à porter. On a ensuite, en 2021, fait des ateliers d'écriture collaborative pour rédiger une feuille de route qui répondent aux besoins des territoires, qui arrivent à les convaincre, et ça, ce n'était pas une chose facile, et qui mettent à disposition une offre de service. On n'était plus là, justement, pour porter des injonctions sur les territoires, on était là pour dire, on est aussi là pour vous aider, pour vous apporter du service, de l'ingénierie, des financements, pour mettre en œuvre cette sobriété foncière. Cette feuille de route, elle porte sur des engagements des partenaires sur les années 2021-2024. Elle a été validée, elle a été communiquée à la presse, elle a été envoyée à tous les présidents de PCI de la région. Et elle est à votre disposition sur les stands à la sortie de cet hémicycle. Cette feuille de route, elle avait deux objectifs. Le premier, c'était lever les contradictions apparentes entre développement et sobriété foncière. Développer n'est pas consommer, c'est ça qu'on a voulu montrer, c'est possible. Et puis on voulait emporter l'ensemble des territoires sur la voie d'une gestion économe de l'espace positive, assumée, régulatrice et collectivement portée. Vous avez ici les trois grandes ambitions qui structurent cette offre de service. Voilà la première avec trois phrases clés. Un, la sobriété foncière est l'affaire de tous. Deux, la sobriété foncière se décline partout. Et trois, comment on regarde le projet au prisme de la sobriété. Dans ces trois grandes ambitions, vous avez 20 engagements des partenaires pour développer une offre de service. Et là, vous avez tous les mots-clés qui structurent cette offre de service. Ce sont des outils, des financements, des ressources, de l'ingénierie, la méthodologie, des retours d'expérience, des données, etc., etc. Et dans toute cette offre de service, il y a tout un volet justement sur la connaissance. Et c'est donc pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Je redonne, donc on a fini la première partie de cet atelier. On va maintenant vous présenter, rentrer dans les outils en eux-mêmes, les outils de connaissance à votre disposition. Merci. Donc on a réalisé ici une petite toile des différents dispositifs, des différentes données qui sont nécessaires à la réalisation des trois observatoires dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, comme vous le voyez, il y a une multitude de données qui sont disponibles, qui sont utilisables, mais qui sont également nécessaires pour réaliser ces observatoires. Donc, on a plusieurs types de données. Certaines sont disponibles en open data et, ou du moins facilement accessibles. Je parle donc de Sud Foncier Éco, du cadastre, des bases de données Basol, Basial, d'une BD Topo, des données de l'INSEE qui sont accessibles assez facilement. On a d'autres données qui sont accessibles via des conventions avec des partenaires, donc Urban Simul, on va vous en parler tout à l'heure, le Comvac, les fichiers fonciers. Et enfin, il y a certaines données qui se trouvent dans les documents d'urbanisme locaux, que vous allez retrouver dans les PLU et les PLH, les SCOT locaux, et également d'autres données qui sont établies par des partenaires locaux, donc les collectivités locales, les agences de développement économique, les chambres consulaires. Donc vous voyez une toile qui est assez complète et qui montre la nécessité d'une bonne coopération entre tous. Effectivement, une toile d'outils disponibles. Et puis finalement, sur nos enjeux de sobriété foncière, vous avez bien compris qu'il y avait deux choses, entre guillemets, à mesurer. Un calcul de la consommation foncière, qui est justement ce qu'on va regarder sur la première décennie, et un calcul qui porte sur l'artificialisation, et dont on va parler à partir de 2031. Donc ce sont deux notions bien différentes. Parmi les outils de mesure qui existent, il y a des outils de mesure qui sont nationaux. Nationaux, ça veut dire qu'ils sont en open data, accessibles à tous, sur tous les territoires, homogènes, avec des millésimes réguliers. C'est le cas des fichiers fonciers, la base nationale des fichiers fonciers, qui sont une méthode qui est proposée pour notamment calculer cette consommation, ce flux de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. On en a parlé un peu au fil de la journée, on reviendra dessus. L'OCSGE,
l'occupation du sol à grande échelle. C'est un autre outil national qui est en cours de déploiement et qui demain va permettre de mesurer l'artificialisation. Évidemment, ce ne sont pas les seuls outils qui existent. À l'échelle locale, on a beaucoup, notamment, de MOS à grande échelle qui ont été développés localement. Ces MOS, ils représentent une vraie richesse, hein, déjà une richesse qui est contextualisée par rapport aux besoins du territoire, une richesse aussi en résolution, en nomenclature qui est très fine et qui, justement, peut venir compléter des outils nationaux qui peuvent exister par ailleurs. Donc, on est bien conscient qu'on intervient dans un tissu de dispositifs existants qui est très large et qu'il nous faut articuler. Je vous parle très brièvement du portail de l'artificialisation des sols, mais que vous connaissez tous, qui porte assez mal son nom parce qu'aujourd'hui, il permet essentiellement, c'est un portail de la consommation d'espace. Demain, il y aura aussi une vraie mesure de l'artificialisation avec les données de l'OCSGE. Mais aujourd'hui, vous trouvez sur ce portail alors, beaucoup d'outils de data visualisation avec des tableaux de bord en un seul clic où on peut visualiser à la fois des données sur la consommation foncière, les regarder par rapport à l'évolution des emplois, des ménages à toute échelle de territoire. Vous pouvez avoir des cartes interactives avec des indicateurs communaux de façon assez immédiate. Et puis, je ne l'ai pas mis ici, mais vous pouvez bien sûr télécharger toutes les données sources depuis les millésimes 2009 sur ces fichiers fonciers. Et maintenant, donc, on était sur la partie consommation d'espace avec cet outil qui est déjà disponible. Maintenant, je laisse la parole à l'ODAT pour nous parler de l'occupation du sol à grande échelle qui est en cours de déploiement dans le Var. Merci Brigitte, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler quelques instants d'une donnée qui est cette fois-ci sous forme de cartographie et donc géolocalisable et qui fait l'objet d'un déploiement sur France entière qui a été amorcé et qui va se dérouler jusqu'en 2024 par l'IGN. Donc d'abord, quelques éléments de remise en contexte de ce déploiement de cette donnée France entière. Donc il faut savoir que l'IGN produit des bases d'occupation du sol à grande échelle maintenant depuis 2013. Donc au sein d'un programme assez dense. Et ce programme a été renforcé à la suite de la publication du plan de biodiversité en 2018, puisque le ministère de la Transition écologique et solidaire a sollicité l'IGN au sein d'un consortium CEREMA-IGN-IRCA pour concevoir un dispositif permettant de mesurer précisément l'artificialisation des sols. Alors l'objectif, à partir d'un prototypage notamment sur le bassin d'Arcachon, c'est de couvrir la France entière, hein, le territoire national, donc sur les spécifications du CNIJ, donc vraiment avec une double dimension usage-couverture et des seuils préalablement définis, sur une mise à jour triennale, donc 3 ans par département, donc en open data, et à des coûts soutenables, c'est-à-dire vraiment tiré d'un nouveau processus et une chaîne de production associée à une intelligence artificielle, donc deep learning. Donc depuis juillet 2019, ce qui est très important de situer, c'est que l'OCSGE fait partie donc, du dispositif national de mesure, comme nous l'avons évoqué précédemment, et ça va être l'outil métrique du bilan de l'artificialisation. Donc, au sein et par rapport à la loi climat, c'est l'outil sur lequel s'appuie techniquement le décret d'application du 29 avril 2002, c'est-à-dire la nomenclature départageant les surfaces artificialisées et les surfaces non artificialisées pour aboutir aux ZAN. Le Var fait partie des premiers départements pilotes de ce déploiement, dont j'en suis le témoin. Donc, nous avons participé activement ces dernières semaines et mois à la fabrication de cette base de données. Voilà, je rappelle donc, vous avez la petite image sur le calcul du ZAN, hein, donc on a vraiment un outil qui est associé à ce calcul voilà, à venir. Donc suivant. Alors ici un petit exprès donc, de ces deux dimensions, hein, donc on est vraiment sur une occupation du sol à deux dimensions, une première vision de la surface couverture, enfin pardon, de l'entrée couverture du sol qui sert à renseigner ce que l'on voit, c'est-à-dire en termes d'occupation biophysique, sous 14 valeurs de couverture. Donc vous avez ici tiré directement de l'IGN le tableau de nomenclature qui fait une entrée par la couverture végétale, c'est-à-dire vraiment les espaces sans végétation et avec végétation.
dans lesquelles à chaque fois nous allons décliner plusieurs grades et plusieurs informations légendées à des niveaux plus précis. Donc pour la rubrique sans végétation, nous allons départager ces espaces sous deux formes. Les surfaces anthropisées qui vont vraiment être associées aux espaces artificialisés, puisqu'on va y rentrer à l'intérieur l'entrée imperméable et l'entrée perméable, donc avec l'extraction du bâti, et les surfaces non bâties qui vont prendre en compte vraiment tout ce qui est route asphaltée, les parkings, les places par exemple. Ensuite, dans les zones perméables, nous allons retrouver vraiment la distinction à la fois des zones à matériaux minéraux et les zones à autres matériaux composites. Donc, quelques exemples, dans les zones à matériaux minéraux, nous allons retrouver tout ce qui est route empierrée, c'est pour ça que c'est une entrée perméable, vraiment tout ce qui est aussi les carrières, les salines, des chantiers. Voilà. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, je passe à l'entrée avec végétation, donc nous allons retrouver vraiment tout ce qui est formation arborée d'une part et tout ce qui est formation herbacée d'autre part. Une entrée très importante, cette entrée formation herbacée, puisqu'elle englobe à la fois les pelouses urbaines, aussi naturelles, qu'on va retrouver en milieu plus étagé, les prairies, les cultures, des terres labourées par exemple, voilà. Enfin, une autre précision, c'est que ce que je n'ai pas dit, c'est que sur les espaces artificialisés, on extrait le bâti à 50 mètres carrés. Donc, on est sur une grosse précision du bâti, qui toutefois, dans les zones agglomérées avec des bâtiments espacés à moins de 10 mètres, vont être grossis à 200 mètres carrés, voilà, pour des raisons de traitement. Sur l'entrée usage, maintenant, donc là, cette fois-ci, on va renseigner à quoi ça sert. Donc on est sur 19 entrées de nomenclature. On rentre par les secteurs d'activité avec la production primaire, secondaire, tertiaire, les réseaux de transport et d'autres usages. Ce que vous allez retrouver au sein de l'usage 1, production primaire, c'est une déclinaison différentes productions de culture, de bois et autres activités, notamment aussi tout ce qui est carrière et salin, et puis d'autres activités. Alors, le deuxième poste qui est très important et qui est très en lien aussi avec le décret de nomenclature de la loi climat, c'est l'usage 235. Un usage qui a été éclaté en trois postes différenciés, donc avec une entrée secondaire, tertiaire, résidentielle, indépendante. Donc là, on est vraiment sur les jardins privés de la parcelle bâtie, voilà, en lien avec le décret du ZAN 5. Voilà, quoi vous dire de plus, que ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment chaque polygone va avoir une double information, usage, couverture. Pour finir, Alors, un petit point quand même de précision sur la granulométrie de cette base de données, qui est directement en lien avec la zone construite ou hors zone construite. L'IGN a défini effectivement une zone construite à partir des différents espaces et différentes entrées que j'ai nommées précédemment. Par exemple, la zone construite sur l'espace résidentiel comprend à la fois la classe secondaire, tertiaire et résidentielle, les réseaux de transport, mais aussi les cours de ferme donc, qui sont dans l'usage agriculture, et puis aussi tout ce qui est services de logistique et de stockage. Il faut savoir que cette zone construite a un seuil de collecte de 500 m² des objets, ce qui fait que ça va être assez précis et pouvoir nous permettre de remarquer pas mal de changements entre deux années. Par contre, en dehors de cette zone construite, et notamment au sein des espaces agricoles et naturels forestiers, nous serons à une échelle de 2500 m², donc beaucoup moins précise. Ça, c'est important de le savoir. Voilà, pour terminer sur ce déploiement, donc on a vraiment des entrées intéressantes hein, que d'autres outils aujourd'hui ne proposent pas, parce qu'ils n'ont pas été développés en tant que tels et pour l'instant sur ces aspects. Donc on est sur par exemple l'extraction du bâti, hein, pour citer un exemple. Et puis donc l'entrée imperméabilisation qui est quand même vraiment très importante au regard de l'artificialisation des sols. Il existe effectivement en cours des travaux de fiabilisation qui sont très importants, notamment sur l'usage et grâce à la photo-interprétation, puisqu'actuellement un groupe de prestataires est en train de travailler à la fiabilisation d'une première livraison de cet outil.
Voilà, donc des entrées intéressantes, à condition que ce soit fait de manière la plus juste possible. C'est pourquoi cette phase de fiabilisation et un travail d'articulation avec les MOS référentiels, pour ne pas les nommer, et les outils en place actuellement est très importante, parce qu'ils vont venir renseigner et enrichir ce socle national qui est très intéressant et qui reste à un niveau national tout automatisé et qui va du coup falloir fiabiliser par tout un ensemble de données exogènes et notamment des référentiels locaux qui ont été faits avec des experts terrain. Donc un enjeu de compatibilité important à venir pour mettre à terme une cohérence d'indicateurs et de travaux d'observation très important à suivre. Merci. Merci. Alors, ce travail, en effet, donc, est assez prioritaire, donc, au niveau de l'articulation des outils. Donc, juste un petit point pour vous dire que c'est un travail qui a été engagé au sein de la région, puisqu'il y a un groupe de travail régional qui a été monté donc, depuis maintenant une grosse année, et par rapport à l'arrivée de cette OCSGE notamment, et aux injonctions de la loi climat et résilience qui font justement intervenir ces nouvelles notions. Donc voilà, ces éléments-là sont abordés sur plusieurs aspects. Donc déjà, accompagner dans le cadre de ce groupe de travail, effectivement, on va dire d'accompagner cette démarche d'interprétation, de mise en application, effectivement, de ces aspects réglementaires au travers de ces analyses de la consommation d'espace, l'artificialisation, sur un plan technique. Donc il y a un exercice qui est en cours effectivement, de conduite avec l'ensemble des partenaires, notamment territoriaux, aussi l'IGN, l'ADRIAL et les agences d'urbanisme, autour de la définition d'un socle de référence qui justement viendrait intégrer ces dimensions. Donc tant, comme le disait Alexandra, pour essayer d'une part de faire évoluer les MOS, hein, d'une part aussi, et d'autre part pour essayer effectivement de travailler sur une articulation entre ces outils, sur un pontage en fait, hein, puisque l'objectif, il est essentiel, hein, c'est de pouvoir effectivement définir et s'articuler, notamment dans le cadre justement des objectifs de territorialisation du SRADET, de s'articuler autour de la, on va dire, de la définition d'un socle de référence qui permette justement d'avoir un outil de dialogue, de suivi et de mesures qui soient communs et partagés avec l'ensemble des territoires. Voilà, donc c'est une démarche qui est en cours, c'est des travaux qui sont en cours de conduite avec l'ensemble et certains d'entre vous, qui vont se poursuivre donc sur toute l'année 2023. Donc n'hésitez pas justement à vous signaler, donc à l'indiquer sur le questionnaire qui vous est distribué dans la mesure où vous êtes intéressé à y participer. Merci. On invite maintenant la région à nous rejoindre pour nous présenter donc l'inventaire des zones, l'inventaire sud foncier éco, pardon, qui va pouvoir justement abonder les inventaires des zones d'activité économique. Nous avons pour l'instant perdu 0,4 degrés. On a la température qui est là. Donc, bonjour à tous, Laurence Cantalou-Kim. Donc, moi, je suis chef de projet du dispositif partenarial d'observation du foncier économique depuis 2018. Et on m'a chargé en 3 minutes de vous présenter Sud Foncier Éco. Donc je vais essayer. Si on peut me passer les diapos, par contre, je veux bien. Là, hop, clac. Donc voilà, Sud Foncier Éco, donc, c'est un dispositif partenarial d'observation. Donc on n'est pas tout seul à la région. On s'est allié donc, à l'établissement public foncier. Il y a notre stand hein, qui est juste en face de l'entrée de l'hémicycle. L'ADREAL qui était rentré avec nous sur le volet logistique au départ, l'Agence régionale de développement économique Rising Sud, le réseau des CCI, la Chambre de métiers d'artisanat et l'Agence régionale de la biodiversité qui suit le dispositif de labellisation Parc Plus et donc qui vient de rentrer cette année dans dans la convention de partenariat. Voilà, donc c'est un observatoire régional qui a donc 5 ans d'existence, qui rassemble et consolide des informations diverses et millésimées. On a plusieurs années en fait différentes dans nos données, mais bon, on s'y retrouve. Voilà, donc on a des bases de données consolidées, on a des informations qui sont fondées sur une expertise vraiment collective. On fait des groupes de travail sur, par exemple, les zones de fait, hein, les zones de développement économique spontané.
On va bientôt faire beaucoup, beaucoup de groupes de travail en 2023, mais je vais vous en parler après. Voilà, il y a à peu près 200 personnes qui sont dans notre annuaire, 250 je crois, et on a réalisé voilà, une soixantaine de réunions. Voilà, donc c'est un dispositif voilà, qui roule. Voilà, alors dans Sud Foncé Éco, c'est un dispositif partenarial et il y a aussi un outil de web cartographie qui s'appelle Sud Foncé Éco aussi. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais voilà, tout s'appelle Sud Foncé Éco, vous inquiétez pas. Voilà, et là, on est devant une fiche d'information donc d'une zone d'activité. On a énormément d'informations qui peuvent être visualisables. Et des informations détaillées. Vous voyez que la zone d'activité, je peux avoir une vue immersive et me balader dedans. J'ai énormément de données sur de qualification de la zone, sa vocation dominante, qui est calculée à partir des emplois. J'ai les aménités, les temps d'accès au premier échangeur d'autoroute, la gare ou le premier aéroport. Voilà. Donc il y a énormément de choses dans Sud Foncé Éco. Voilà, et c'est mis à jour, on essaye de le mettre à jour au moins avec les référentiels nationaux annuellement, et des observatoires locaux, départementaux nous fournissent, il y a des personnes des observatoires qui me fournissent des données annuellement aussi, des périmètres à jour. Voilà. Voilà, dans Sud Foncé Éco, il y a plein d'analyses. Là, je vous ai présenté celle par typologie d'immobilier, c'est-à-dire qu'on a essayé de catégoriser la zone d'activité par sa vocation dominante et par son typologie d'immobilier. C'est-à-dire que si je vois que des entrepôts, je peux me dire que je suis dans une plateforme logistique. Et si je vois des immeubles de bureaux, ben, peut-être que je suis dans un bureau-parc. Hein, ou, voilà. Donc ça, c'est une typologie qui est très intéressante. Et il y a tout un tas d'analyses qui sont présentes dans l'outil Sud Foncé Éco. Dans Sud Foncé Éco, à partir du moment où on s'est authentifié, on a aussi accès à la couche de gisement de foncier théoriquement disponible, on dit bien théoriquement disponible, qui nous provient du CEREMA depuis leur outil Urban Simul. Donc moi, je leur donne chaque année les périmètres à jour des zones d'activité et eux, ils font un croisement avec des algorithmes et ils me ressortent donc des gisements de foncier potentiellement disponibles. Vous allez voir ça, mais là, cette année, figurez-vous que le réseau des CCI à dire d'experts et avec les EPCI, nous vont nous fournir donc une couche des gisements de foncier, donc là, réels, par zone d'activité. Hein. On en a 1350 dans la région sud. Et une table aussi des projets d'extension de zone d'activité. Ça, on devrait récupérer ces données-là qui vont évidemment nous servir pour la loi, fournir les inventaires loi climat et résilience. Donc, je ne sais pas si c'est là où je parle de notre démarche de coordination régionale. Ouais, j'aimerais bien. Donc, on a voulu profiter de ce qu'on avait. Ça doit être ça. Voilà. On avait Sud Foncé Éco, qui est donc une grosse base de données qui va gérer donc les aménités, les zones, les pôles d'activité, les gestionnaires, les associations de zones. On peut croiser énormément de données qu'il y a dans Sud Foncé Éco. Donc, on a réuni nos partenaires en juin et on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas aider les territoires à apporter une ingénierie, en fait, une action de coordination, puisqu'on avait eu des attentes qui avaient été remontées. On fait des ateliers départementaux. Chaque année, on va voir les territoires. Hein, on se déplace, nous, l'équipe de Sud Foncé Éco, avec Claire. On vient vous voir. Et donc, on avait déjà eu des remontées hein, pour avoir de l'aide, des besoins d'ingénierie autour de ces inventaires. Des partages d'expertise, puisqu'on a le réseau des CCI, on a les agences d'urbanisme qui ont la gentillesse de venir nous aider aussi. Voilà, donc on a tout un tas d'ingénierie à mobiliser pour réaliser ces inventaires qui demandent cette notion qu'on vous a présentée de vacances. On va essayer de trouver une définition régionale
voilà, cette histoire-là. Et donc, on va certainement proposer des pré-inventaires par EPCI, par zone d'activité, des unités foncières avec les propriétaires de ces unités foncières et les occupants. Et sur la vacance, on proposera donc des groupes de travail et le réseau des CCI va nous produire une note méthodologique pour réaliser les inventaires physiques terrain qui devraient arriver donc en janvier ou février. Pour, effectivement, là, normalement, les inventaires doivent être rendus au mois d'août 2023. Donc, ça urge. Voilà. Donc voilà, il y a une action en tout cas de coordination régionale qui est copilotée avec l'ADREAL et nous à la région. Voilà. Merci. Avant de passer aux échanges, on vous propose donc une dernière présentation de l'outil Urban Simul par le CEREMA. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Nicolas Pellet et je travaille au CEREMA, donc à la direction territoriale donc Méditerranée qui est basée à Aix-en-Provence au pôle des Milles. Donc pareil, je vais essayer de vous pitcher un peu Urban Simul en moins de 5 minutes. Donc hop, qu'est-ce qu'Urban Simul? Donc en une phrase, Urban Simul c'est un outil d'analyse et d'aide à la décision des acteurs publics du foncier. En fait, ça, c'est un outil qui permet d'organiser la prospection du foncier et de visualiser le foncier. Donc, comment ? Donc, à travers le regroupement et l'enrichissement de tout un tas de bases de données. On va y revenir un petit peu plus loin. Donc, c'est un outil qui a été déployé sur la région PACA la première fois en 2017. Et donc, il est né d'un partenariat qui associe donc, tout un tas d'acteurs de la région PACA. Donc la région, l'ADREAL, l'EPF, le CRIJ, l'INRAE et le CEREMA. Donc Urban Simul, il faut savoir que c'est un outil qui est mis à jour donc, de manière hebdomadaire pour la mise à jour des données du géoportail de l'urbanisme, donc, pour les documents d'urbanisme. Et il est mis à jour aussi annuellement et il y a de nouvelles fonctionnalités qui viennent l'enrichir chaque année. Très concrètement, qu'est-ce qu'Urban Simul ? Donc, c'est une application en ligne ouverte gratuitement donc, aux collectivités et aux acteurs publics qui travaillent sur le foncier. En fait, c'est ouvert gratuitement aux ayants droit des fichiers fonciers. Donc là-dedans, évidemment, il y a les collectivités, mais aussi les agences urbaines, l'EPF, ainsi de suite. Donc, c'est un outil qui permet d'aborder différents enjeux liés au foncier. Donc là, je les ai listés un petit peu. Donc il y a tout ce qui est le foncier mobilisable, donc foncier mobilisable sur terrain nu et sur terrain partiellement bâti. Ça permet aussi d'approcher la problématique des logements vacants à travers la base des données LOVAC. Ça permet aussi de visualiser les friches qui ont été identifiées via le portail de recensement carte aux friches. Il y a aussi un module de marché foncier, donc ça permet de regrouper les données des V3F. Il y a aussi l'ensemble des documents d'urbanisme qui sont déposés sur le géoportail de l'urbanisme. Et il y a une couche des bâtis. Donc je vais faire deux petits focus. Donc le premier sur les fonctionnalités d'Urban Simul sur les gisements fonciers. Donc ce que permet de faire Urban Simul, c'est en un clic, c'est d'afficher les gisements fonciers, alors potentiels, donc sur terrain nu ou partiellement bâti. Donc partiellement bâti, en fait, c'est les gisements qui sont sur des unités foncières, donc des regroupements de parcelles contiguës de même propriétaire, où il y a encore la possibilité de densifier. Donc comment c'est fait ? Donc en fait, il y a un croisement entre les zonages du PLU, donc il faut que ça soit dans un zonage qui soit constructible, et ensuite il y a tout un tas de règles physiques qui viennent s'ajouter là. Il faut pas que la pente soit trop importante, il faut qu'il y ait un accès à la route, ainsi de suite. Deuxième type de gisement foncier, qu'on a un peu appelé les gisements potentiels, ce sont les logements vacants, donc issus de la base de données LOVAC. Donc en fait, la base de données LOVAC est intégrée dans Urban Simul. Il y a eu un travail de création de typologie, voilà, pour savoir si c'est de la vacance résidentielle d'un logement qui appartient à une personne physique, ou si c'est de la vacance publique, ou si c'est de la vacance plutôt liée à une succession ou à un bien sans maître. Donc voilà, donc il y a une typologie, donc un enrichissement de la base de données LOVAC. Dernier volet, donc il y a l'ensemble des friches
qui ont été déposées sur le portail de recensement national des friches, carte aux friches, qui sont intégrées dans l'outil, ce qui permet de les visualiser et de pouvoir les voir très concrètement, voir comment elles s'insèrent dans le paysage urbain. Deuxième focus que j'aimerais faire sur les fonctionnalités d'Urban Simul, c'est l'ensemble des mutations immobilières. Donc voilà, l'outil permet de visualiser l'ensemble des mutations immobilières sur le territoire depuis 2007. On peut notamment effectuer différents filtres. Voilà, on peut filtrer sur uniquement les maisons anciennes qui sont vendues entre telle période et telle période, de telle surface. Et donc tout ça s'affiche sur la carte. Et ensuite, on peut sélectionner... faire un périmètre à façon sur cette carte, donc soit on prend toute la zone, soit on le dessine à la main, et ensuite il y a la production de quelques statistiques rapides, donc voilà les prix médians, les premiers et troisièmes quartiles, et ensuite on peut exporter l'ensemble de ces mutations immobilières dans un format très simple, un CSV qu'on peut ouvrir avec Excel, qui permet de faire quelques stats supplémentaires. Toute petite diapo pour dire que voilà comment on se connecte sur Urban Simul, parce que j'imagine que le diaporama sera mis à disposition. Donc en deux mots, c'est très simple, il suffit de se rendre sur le lien là, urbansimul.fr. On remplit un formulaire très court avec son nom, son adresse mail, sa structure. Et ensuite, nous, il y a toute une équipe de maintenance derrière, on vous ouvre des droits dans la semaine. Donc ça, c'est la démarche individuelle. Et ensuite, il y a une démarche de structure. Si vous voulez accéder à certaines données dont le CEREMA n'est pas propriétaire, il faut en faire la demande sur le site datafoncier.cerema.fr. Donc ça, c'est pour avoir accès aux fichiers fonciers non anonymisés, pour avoir vraiment le nom des propriétaires physiques, et également sur la base de données LOVAC. Donc là-dessus, il faut se rendre sur datafoncier.cerema.fr. Donc voilà, Urban Simul en quelques minutes. Ben merci beaucoup pour ces présentations. On vous propose de passer à notre dernière partie qui est sur les échanges et sur vos besoins donc en tant que territoire, collectivité ou structure d'ingénierie. Donc cette partie un petit peu de débat se divise en plusieurs parties. On aimerait partager avec vous votre connaissance des outils, les données peut-être qui vous manquent dans vos territoires, l'accessibilité à ces outils, est-ce qu'elle vous convient ou non, le pourquoi de ce manque d'accessibilité, vos besoins et les compatibilités aussi avec vos outils d'ores et déjà existants. Pour ça, on vous propose de vous prendre votre téléphone portable ou votre ordinateur et de vous connecter à Klaxoon afin de rendre un petit peu plus interactif ces échanges. Alors, vous avez sur le questionnaire qui vous a été distribué en papier un petit flashcode. Vous le retrouvez aussi à l'écran, logiquement avec vos appareils photo. Il vous suffit de le flasher. Vous allez tout de suite pouvoir atterrir sur le site. Sinon, vous avez le lien internet si vous préférez. Donc, application.klaxoon.com et vous avez le code à rentrer si jamais vous ne passez pas par ce flashcode. Une fois que vous êtes sur l'application, on vous demande simplement de rentrer un pseudonyme. Vous rentrez vraiment le pseudonyme de votre choix, c'est anonyme, il n'y a aucun souci là-dessus, donc simplement pour que ce soit plus simple pour nous et puis comme ça on pourra répondre après ensemble aux différentes questions. Est-ce que vous avez tous plus ou moins réussi à vous connecter à l'application ? Oui. Alors, je vois qu'il y a déjà 10 participants sur l'outil. Est-ce que tout le monde a pu flasher du coup le QR code ? Alors je passe, sinon vous le retrouverez toujours sur vos questionnaires pour ceux qui avaient un peu de retard. Alors la première question qu'on vous propose, c'est avant finalement les présentations que vous avez eues aujourd'hui, est-ce que vous connaissiez l'OCHGE ? Alors ça se divise en 3 possibilités. Vous le connaissiez et en plus de ça, vous l'utilisiez. Vous le connaissiez, mais pour le moment, les données ne sont pas encore disponibles sur votre territoire. Ou alors, vous ne connaissiez pas cet outil. Alors, on voit que c'est intéressant parce que vous étiez donc plus de la moitié à ne pas connaître cet outil avant aujourd'hui. Et seulement 6% à l'utiliser. Bon, ça, c'est un peu moins surprenant, puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que la métropole de Nice qui dispose déjà de données. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais bon, vous étiez quand même plus de la moitié de la salle à ne pas connaître l'outil. Deuxième question, est-ce que vous connaissiez donc l'ONAS, le portail de l'artificialisation qui vous a été présenté par la DREAL ?
Donc toujours les trois possibilités. Vous le connaissiez, vous l'utilisiez. Vous le connaissez, mais vous ne l'utilisez pas. Et vous ne le connaissiez tout simplement pas. Alors cette fois-ci, le constat est encore similaire et même encore plus fort puisque vous étiez 60% à ne pas connaître cet outil. Donc Brigitte, ton intervention était nécessaire. Et vous êtes 11% uniquement à l'utiliser régulièrement. Troisième question, est-ce que cette fois-ci vous connaissiez Sud Foncier Éco? Alors, changement de réponse, puisque là, vous étiez 83% à connaître Sud Foncier. Par contre, je tiens à dire que ces 83% l'utilisent peu. Mais en tout cas, l'outil est connu de quasiment tous. Et dernière question de connaissance, est-ce que vous connaissiez l'outil Urban Simul? Alors, comme l'outil Sud Foncier Éco, cet outil est très bien connu, puisque vous êtes 83% à le connaître. Malheureusement, même verdict que pour Sud Foncier Éco, vous l'utilisez peu. Je vous propose maintenant de passer à une autre question qui rentre plus dans vos problématiques d'accès aux outils. Donc, quelles finalement sont les problématiques fortes que vous rencontrez lorsque vous vous connectez sur les outils que nous venons de voir? Est-ce que vous avez des complexités à manipuler les outils? Est-ce que l'information, le niveau d'information qu'on propose n'est pas adapté? Est-ce que vous manquez de compétences en interne pour pouvoir tout simplement traiter ces données? Est-ce que vous n'avez pas les moyens humains suffisants? Est-ce qu'il y a trop d'outils, trop de données et puis du coup vous perdez? Est-ce que vous avez des problèmes d'interopérabilité avec vos outils qui font que finalement vous préférez rester sur les outils internes? Ou alors ça manque de données sur les thématiques qui vous intéressent? Vous pouvez bien évidemment répondre à plusieurs de ces items si... par exemple, vous avez à la fois des moyens humains insuffisants et trop d'outils, vous pouvez bien évidemment cocher les deux réponses. Alors là, on voit que finalement, les problématiques sont nombreuses et de manière assez similaire. Puisqu'on recense sur le même pourcentage, donc pour une personne sur quatre, des complexités de manipulation ou d'exploitation, un niveau d'information qui vous paraît non adapté, des compétences aussi internes qui sont insuffisantes, et enfin, vous relatez aussi trop d'outils, trop de données pour vous y retrouver, et enfin aussi un manque de données, à l'inverse quand même, sur certaines thématiques. Donc il y en a trop, mais pas assez sur d'autres sujets. Je vous proposerai, il reste une dernière question juste après, qu'on vous donne la parole pour que vous veniez compléter un petit peu ces informations qui sont là très statistiques pour venir apporter du qualitatif à ces réponses. Et enfin, donc, dernière question qu'on souhaitait vous poser, quels sont vos besoins en matière d'analyse et d'appui à l'exploitation de données? Est-ce que ce que vous auriez besoin, c'est plutôt des tableaux de bord, c'est-à-dire des fiches par exemple, PDF ou sous d'autres formes plutôt de data vis avec des indicateurs, mais où on n'a pas forcément l'analyse qui va avec? Est-ce que ce serait plutôt des méthodes d'analyse, c'est-à-dire vous avez la donnée, mais on vous dit finalement comment procéder pour pouvoir l'utiliser? Ou enfin, la mise en place de groupes de projets régionaux où vous seriez là pour partager vos expertises, vos pratiques au sein de vos collectivités ou structures? Alors là, vous semblez tous raccord sur la réponse.
Puisque ce qui vous semble vraiment le plus important, c'est les propositions de méthodes d'analyse et d'appui à l'ingénierie, qui sont vraiment prégnantes pour plus de 3 personnes sur 4. Et après, on retrouve de manière un peu moins prononcée et sur des proportions similaires, l'édition de tableaux de bord et la mise en place de groupes projets régionaux. Donc merci pour cette participation. Nous, ça nous permet d'avoir déjà des éléments sur vos connaissances et vos besoins. Peut-être est-ce que certaines personnes veulent prendre la parole pour venir un peu nous apporter plus de qualitatif par rapport à vos besoins et vos problématiques que vous rencontrez sur vos territoires. Donc vous avez chacun des micros qui sont présents. Et vous avez le questionnaire, bien évidemment, sur vos, qui vous a été distribué. Donc, n'hésitez pas à le remplir, puisque là, vous pouvez apporter beaucoup plus de réponses qualitatives. Là, on était vraiment sur du choix du QCM. Donc, ces questionnaires, on les récupérera à la fin de l'atelier. Donc, pensez à bien nous les restituer à la fin. Ça nous permettra aussi d'enrichir notre connaissance. Donc, est-ce que certaines personnes souhaitent prendre la parole sur ces problématiques et cette connaissance et besoin des territoires ? Je vous laisserai juste vous présenter avant votre intervention. Sinon, vous... Ah, c'est bon, pardon, excusez-moi. Désolée. Oui, bonjour, Clermande Robichon, je suis chargée d'urbanisme au SCOT du bassin de vie d'Avignon. Merci déjà pour la présentation, c'était vraiment éclairant et assez intéressant de passer en revue tous ces outils-là. Pour ma part, je voudrais m'arrêter sur la partie analyse de la consommation de l'espace et de l'artificialisation. C'est plutôt un témoignage et peut-être un point de vigilance à avoir là-dessus. Nous, dans notre SCOT, qui est actuellement en révision, on est en train de relancer une analyse de l'occupation du sol sur le millésime 2021. On a déjà eu plusieurs campagnes d'actualisation sur l'occupation du sol. On le fait dans le cadre de la révision. Ça nous permet de répondre à la question de la conso d'espace et de l'artificialisation dans le cadre du ZAN. Mais ça nous permet de répondre aussi à un certain nombre d'autres problématiques qu'on traite dans le cadre d'un SCOT. Il y a vraiment une grosse question aujourd'hui sur comment va être pris en compte à l'avenir le MOS qu'on va avoir, mettre en place sur notre territoire avec l'arrivée de l'OCSGE, étant donné que c'est la même nomenclature, pas la même manière d'être réalisée que l'OCSGE va être fait sur le territoire national. Comment il va y avoir une articulation en fait, entre cet outil national et les MOS locaux? Vous en avez parlé en fait, dans votre présentation, mais c'est vraiment un gros enjeu parce que l'OCSGE il est vraiment super pour des territoires notamment qui n'ont pas la possibilité de faire des MOS spécifiques ou qui utilisent les données magiques qui ont des limites, mais sur comment on peut articuler tout ça, quelle sera l'antériorité des données sur le CGE aussi, comment ça va évoluer, mais être mis à jour. Donc voilà, c'était pour un peu relever ça. Voilà, merci. Alors, il y a plusieurs questions dans vos propos. Vous n'êtes pas la seule à rencontrer cette préoccupation, ces questionnements-là, les MOS locaux, les révisions qui sont en cours, parce qu'on n'avait pas le choix de les faire, elles sont légitimes, vertueuses aussi, et ça, il n'y a aucun problème là-dessus, on le partage. On est en train de travailler à cette articulation des outils, elle est complexe, elle est fastidieuse, je dirais, mais elle est nécessaire. Donc voilà, il y a un enrichissement à travailler à partir du socle national. Il faut penser aussi à l'économie des coûts, parce que de produire un référentiel en local, ça a un coût, ça c'est sûr. Avoir une base de données nationale, c'est très bien. Maintenant, effectivement, il faut qu'elle soit utile, fiable, il faut qu'elle nous serve à tous les niveaux, et pas que sur la mesure de l'artificialisation des sols. Il y a aussi les autres usages. Il y a au service de la trame verte et bleue, par exemple, et c'est très important de nommer cet exemple, puisque c'est en lien avec la biodiversité. Donc voilà, alors ça, c'est la première des choses. Je crois que vous avez parlé aussi de fréquence, de mise à jour. Alors, on est sur le rythme des orthophotos avec le CSGE, hein, c'est tous les 3 ans. Les MOS locaux, c'est à peu près le même temps, mais pas toujours.
parce que c'est aléatoire, c'est en fonction des moyens financiers qu'on a aussi dans les collectivités. Voilà, mais encore une fois, c'est à mettre en lien. Voilà, ce qu'il faut, c'est justement se servir du socle national pour venir répondre à des besoins locaux. On n'a pas tous les mêmes en plus en région. La Camargue, ce n'est pas la même chose que les territoires alpins, ce n'est pas la même chose que le littoral varois. Bon, voilà, on est sur tout ça, sur cette diversité. Voilà, je peux peut-être laisser Claire aussi compléter. Oui, après, il faut penser que ça remet, on va dire, tous ces outils, quand même. On va dire, l'arrivée d'un référentiel ne remet jamais en question, effectivement, on va dire, l'existence de référentiels territoriaux, de données territoriales. Dans la mesure où voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte que on va dire, les données les plus précises puissent effectivement alimenter ou venir s'intercaler effectivement avec ce référentiel national. C'est tout l'exercice en fait, que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, qu'on essaye de conduire. Donc là, on se fait aider par une société qui nous propose différents scénarios, tant effectivement actuellement un scénario qui serait plus intermédiaire, de voir comment les MOS, on arrive effectivement à les adapter localement, comme vous pouvez le faire sur votre territoire, pour prendre en compte effectivement ces injonctions réglementaires. Et d'autre part, c'est au CES national. Là, on est vraiment, comme avec Alexandra, avec l'Adréal, sur le département du Var, en train d'étudier un petit peu effectivement derrière quel est son contenu, quelles sont effectivement ses spécifications précises, comment on pourra vraiment, à partir de cette nouvelle approche, voir comment on pourra venir, on va dire, préciser, spécifier des choses, effectivement, comme on le disait, qui sont, on va dire, très particulières à nos territoires, notamment méditerranéens. Voilà. Donc, c'est vraiment tout un travail, donc, comme l'a dit Alexandra, de longue haleine, qu'on va conduire, qu'on va faire avec vous tous. Voilà, donc, on le fait à tâtons, hein, évidemment, on y va prudemment, puisqu'il y a des choses aussi, on attend beaucoup de choses par rapport au décret. Voilà, donc c'est évidemment quelque chose sur lequel on va s'attacher tous ensemble avec voilà, les partenaires, l'IGN, l'Adriel, à vraiment faire de la veille. On attend voilà, beaucoup, effectivement, du national. Et c'est bien entendu toute l'ambition. C'est en tout cas, dans le cadre, en tant que région, hein, dans le cadre du SRADET, pour nous, c'est en tout cas, c'est le point obligatoire, c'est d'avoir vraiment un outil de dialogue qui soit de mesure commun et partagé sur lequel on s'entende et on soit d'accord. Voilà. Donc, n'empêche qu'effectivement, il y a quand même cette donnée de référence qui va être là pour certaines analyses, notamment sur l'artificialisation des sols. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura plusieurs outils en fonction des besoins. Ça ne remet pas, ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des usages des besoins, ça ne remet pas en question peut-être l'existence, dans la mesure où vous en avez besoin. Parce qu'en effet, ça coûte cher de mettre en œuvre un MOS localement. Et dans la mesure où vous avez besoin sur votre territoire de continuer à produire et entretenir cette donnée, je dis voilà. Et après, il y aura ce référentiel national, effectivement, qui lui permettra, quoi qu'il arrive, on l'aura tous, voilà. Et on va vous accompagner, on va petit à petit réaliser cette transition, voilà, et cette imbrication, voilà, et cette articulation. C'est tout l'intérêt, c'est de vraiment, vraiment, en tout cas, converger tous ensemble vers, on va dire, une doctrine régionale par rapport à l'utilisation de l'ensemble de ces outils. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions ou pas dans la salle sur d'autres outils ou sur d'autres témoignages par rapport à des difficultés que vous avez ou au contraire avec sur des manières ou peut-être des... Ah, il y a une main là-bas, pardon. Vous oui, bonjour. Merci. Oui, Paul-Christian Ollier pour STRL Côte d'Azur Agglomération. On est tout à fait sur cette rubrique des outils, c'est-à-dire qu'on souhaite se doter d'un MOS et on y a travaillé avec l'ODAT, donc étant territoire varois et adhérent de l'agence. Et donc, notre préoccupation, c'est d'avoir un outil qui permette une analyse fine de notre territoire, de notre besoin, effectivement, de cette analyse du foncier et en vue de l'objectif zéro artificialisation nette, mais qui soit d'un côté compatible avec les outils développés par l'État, l'IGN, l'Adréal, et de l'autre avec ceux développés à la région. Donc, on a des contacts avec les différentes instances. Mais bon, je me permettais simplement d'insister sur notre démarche, puisque bon, on va consacrer des fonds à cet outil. Donc, on n'a pas le droit quelque part à l'erreur, puisque c'est de l'argent public. Voilà. Merci. Pas d'autres
Simplement, je voulais préciser que s'il y a des questions ou des points techniques que vous avez besoin d'interroger un peu les gens qui sont en train de mettre le nez et les mains dans le cambouis, on va dire. Enfin, voilà. Voilà, je suis volontaire pour vous répondre. Donc je suis Alexandra Philippe de l'ODADVAR. On a notre site internet, odad.org. Vous pouvez tout à fait me contacter. Je me ferai un plaisir et j'essaierai de répondre à vos questions. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation à cet atelier. Je vois que les participants des autres ateliers commencent à arriver. Donc, on vous propose de rester présents pour la clôture de cette journée. Je vous rappelle, si vous pouvez, en tout cas donc c'est les renseignements que vous pourrez apporter au questionnaire nous sont très précieux pour la suite, notamment sur toutes ces questions qui sont soulevées. Donc merci de venir le rapporter ici directement à la tribune, soit il y a une bannette au numéro 143, vous pouvez déposer directement vos questionnaires ou ma collègue qui doit se balader, qui doit peut-être aussi vous les récupérer directement. Merci encore pour votre participation. Merci. Alors en effet.